Mais les types de tournage, ça baisse encore. C'est ça. En tout cas, moi, je trouve jamais la fille qu'il faut. J'aime bien les gens sensibles. Tu ne trouveras pas une femme sensible. Ça n'existe pas, c'est des conneries. Les femmes sont pas sensibles. Les hommes, oui, mais pas les femmes. Comment ça? Et quoi, les femmes sont pas sensibles, peut-être? Bah non, elles ont des humeurs. Elles ont des émotions, ça, oui. Elles passent d'un état à l'autre sans que tu comprennes rien à rien. Mais tout ça n'a rien à voir avec de la sensibilité. C'est de la sensiblerie, pas de la sensibilité. Et maman? Quoi, maman? Bah, elle est pas sensible, maman. Non. C'est une salope. T'as plus de rêve, quoi. Ça fait depuis que t'es né que j'arrive pas à dormir. Comment tu veux que j'ai des rêves, abruti? Mais tu te masturbes encore? Tu crois que c'est des choses qu'on demande à son père? Bah ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi on n'irait pas en Thaïlande, tiens? J'ai jamais trompé ta mère, fous-moi la paix. Et les clubs échangistes? Comment tu sais ça, toi? C'est maman qui me l'a dit. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que vous alliez dans les clubs échangistes et que tu savais pas nager. Ah, elle t'a raconté ça aussi? Et évidemment. Et pourquoi tu me poses toutes ces questions, hein? T'as envie d'aller dans un club échangiste? Ouais. Avec toi. Ah, oh, tu con. Elle m'a dit ça aussi. Ah bah ça m'étonne pas. D'ailleurs, pourquoi tu nous emmerdes à rester encore à la maison? T'as vu l'âge que t'as? Non, ta mère a raison. T'es un minable. T'es bon à rien à part emmerder ton vieux père. Tu le commences quand, ton roman? Fais pas chier. Bah, tu l'as déjà commencé? Me fais pas chier. Je commencerai quand tu auras quitté la maison. C'est à cause de toi si je n'avance pas. Et si je crève avant de le finir, ce sera de ta faute. Et tu vas crever quand? Bientôt. Faut que tu te suicides. Les grands écrivains, ça se suicide. C'est ça. Ou alors faut que tu te remaries avec une fille de mon âge, les grands écrivains. Arrête de parler maintenant. Faut que tu tiennes encore au moins 10 ans. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce qu'il faut que tu le termines, ton roman, mon vieux. Qu'est-ce que tu as avec ce roman? T'as honte de moi, c'est ça? Non. Bah pourquoi tu m'emmerdes? Parce que j'ai pas envie que tu crèves. J'aurais pu être italien. Un beau grand milanais avec des costumes en lin. Je suis avec un petit avorton qui pose des questions à la con dans une auto. T'as pas eu une vie si minable. Puis pourquoi t'es resté avec maman si tu savais plus la supporter? Je suis vieux et sinistre. T'es complètement déprimé, papa. Faut que tu fasses quelque chose. Moi, je suis pas déprimé, je suis dépressif. Le déprimé, c'est pour les minables. Moi, je joue pas en troisième division, je te signale. Dépressif, c'est beaucoup oui, mieux. Oui, bon, ça va, ça va. D'ailleurs, si je suis dépressif, c'est ta faute. T'as quel âge? 26 ans. Eh bien, fais des gosses, voilà. Comme ça, je serai grand-père et je serai heureux à mon âge. On est grand-père. Pourquoi je me suis emmerdé à avoir une famille nombreuse, tu crois? Mais tu m'as eu à quel âge? 41. 41? Bon, ça va. Attends, 41 ans et tu viens me dire que je... Ça va, c'est bon. Ouais. Tu dois faire ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est la règle, c'est pour ça qu'on t'a élevé. J'hallucine. Bon, ça suffit maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, mais attends, je sais pas moi... Tu crois vraiment que... Écoute, c'est ce qu'on a décidé, alors on le fait, point. Ok, si tu veux. Non, c'est pas si je veux, c'est si on veut.
tu... Pourquoi pas? Ça peut exagérer, non? Faut savoir ce que tu veux, mon vieux. Ouais, mais là, quand même... C'est quand même ma femme, enfin, je veux dire, c'est... Et alors? C'est... Moi, c'est ma mère, on va pas en chier une pendule non plus. Oui, t'as vu comment elle nous emmerde? Oui, mais quand même, enfin, on pourrait pas reporter ça un peu plus loin, enfin, Oui, oui, bon, ça va, quoi, maintenant? Je sais pas, moi. Et tu sais pas quoi? Mais je sais pas, c'est tout! T'as un poney. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là, maintenant? C'est comme ça, t'as rien dans le vent, tu te mens à toi-même, tu marches à côté de tes pompes, t'as un poney. C'est attendrissant, un poney. T'as un minin, papa. Une petite merde qui flotte lamentablement dans une flaque. T'es vieux, t'es moche, et en plus tu t'habilles comme un con. Tu me fais pitié, papa. Qu'est-ce que tu fous? Je vais prendre de la cocaïne. Mais t'es complètement malade, allez, range ça. Nom de Dieu, Jean. Vas-y, à toi. Vas-y, ça aide à prendre des décisions. Tu presses ton doigt sur une narine et tu respires très fort avec l'autre. Ok? Mais aspire un bon coup, papa, sinon ça sert à rien. Espresso. Alors? Quoi alors? Ben, je sais pas, tu sens quelque chose? Non. Tu sais, imiter les tortues. Mmh. Regarde. C'est que j'ai fait. Que ça fait quoi? Pour séduire ta mère, j'ai imité ces tortues. Voilà, tu passes ton temps à planifier les choses. Et il y a les tortues qui en ont dans ta vie. Et puis? Puis ça se complique. Après, tu meurs. Papa, je t'aime bien, tu sais. Moi aussi, je t'aime bien. Thank you.
Maman. Maman, papa et moi, on part et... We'll be right back.